Vous allez le faire lors de votre première rencontre. Vous allez passer à l'acte. Non. Pourquoi? Parce que je vois déjà que cette personne s'intéresse déjà au sexe. Passer à l'acte maintenant et après 5 ans ne change en rien. Oui, on ne refuse pas. Ça peut aussi se passer pour la première fois et tout est imprévu quand même. Et vous, vous allez le faire? Ça dépend de l'homme en face, ça dépend. Ça dépend de la circonstance. Ok, merci bien. C'est gratuit. Allez-vous le faire lors de la première rencontre? Allez-vous passer à l'acte? Non. Pourquoi? Parce que je ne connais pas la personne et je ne sais pas vraiment ce qu'il veut de moi. Je ne sais pas s'il est sérieux ou bien, hein, si c'est quelqu'un qui veut juste goûter ce qu'il a vu ou bien pour aller dénigrer après ou bien. Non, je ne veux pas le faire. Même après 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans et tout ce que vous connaissez, il peut goûter et partir aussi. Oui, je sais, mais au moins là, je vais le connaître un peu, quoi. Car ça ne va pas trop jouer sur moi, quoi. Mais une première rencontre comme ça, et puis tu laisses l'homme coucher avec toi, c'est comme si tu es une fille facile. Vis-à-vis de l'homme, mm-hmm. Même si ça dure, ça ne change rien. Ça change quelque chose. On a eu des relations de 6 mois, il y a eu l'acte une fois, mais malgré ça, ils sont partis. Oui, mais pour la première fois, ça change quelque chose en fait. Selon vous, combien de temps après? 5 mois. À partir du 5e mois. Et si à partir du 5e mois, vous remarquez que bon, monsieur ne fonctionne pas très bien? C'est pas grave. Il y a des médicaments pour ça. Alors. Il y a des tisanes pour ça. Donc vous allez accepter rester sans? Si je l'aime. Vous ne serez pas tenté d'aller de l'autre côté? Non. On va chercher les remèdes ensemble. Ok, d'accord. Merci. De rien. Dites-moi, comment vous aimez manger la banane avec la peau ou sans la peau? Sans la peau. Pourquoi sans la peau? Ah, je ne peux pas manger une banane avec la peau. Est-ce que pour une première rencontre, vous allez le faire? Non. Il faut avouer que ça fait déjà, supposons, 6 mois. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez déjà habitué à 2 fois par semaine. Oui. Mais pour la première rencontre, je ne veux pas accepter. Même si ça vous plaisait? Je vais garder ça sur moi. Mais parce que cet homme avec qui je vais passer là, je ne le connais pas si longtemps comme ça. Même si on se parlait sur les réseaux sociaux. Mais pour une première rencontre, je ne veux pas le faire. Ok, merci bien. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Je m'appelle Élisée. Monsieur Élisée. Oui. Dites-moi, vous rencontrez une fille pour la première fois, vous allez passer à l'acte? Si elle est d'accord avec ça, moi ça ne me gêne pas. Vous savez, ce qu'on appelle aller au sexe, c'est quelque chose que ça arrive et parfois on arrive à contrôler, parfois d'autres personnes n'arrivent pas à contrôler. Si on est en train de se frotter et ça rentre dans certaines conditions où on devrait aller au sexe et je veux qu'on aille au sexe, elle dit oui, je peux aller au sexe. Mais si elle dit non, je me calme, je sais me contrôler, ça là, il n'y a rien à dire. Je ne peux pas forcer quelqu'un à coucher avec elle. Ça, jamais. Je ne l'ai jamais fait ça, je ne le ferai jamais. Je ne peux pas forcer quelqu'un à coucher avec elle. Donc, si, ça dépend de elle. Ça dépend d'elle. Si elle dit oui, on aille, on ira. Mais si elle refuse, ça ne me gêne pas, je m'arrête.